présentation le 2 octobre 2015 dans les vergers de Monsieur Massia 47 Gaujac de nos pulvérisateurs double turbine verticale verger. Matériel que nous produisons depuis maintenant 18 ans. Ce matériel aura l'avantage de faire une application des produits pulvérisés régulièrement étage par étage en s'approchant du végétal, donc en éliminant les pertes de produits dans le ciel et autres. L'avantage de nos doubles turbines inversées, c'est qu'il n'y aura pas de réaspiration de corps étrangers et de produits chimiques. La pulvérisation sera toujours neutre et la rotation inversée des deux hélices hélicoïdales assure une pulvérisation égale côté droit par rapport au côté gauche. Les turbines sont débrayables indépendamment et celle du bas a deux vitesses de ventilation. Ceci est un pulvérisateur de 1500 litres et ce matériel est produit en toute capacité jusqu'à la capacité de 5000 litres. Le plus fréquemment, ce matériel est équipé de roues basse pression, protégé donc par des garde-boue à l'arrière pour éviter également la dispersion de terre lorsque nous sommes dans des terrains gras. On retrouve des marchepieds côté droit, côté gauche pour une accession facile pour la charge du pulvérisateur. Également, le plus souvent à l'heure actuelle, ces matériels sont équipés de timons articulés pour permettre au pulvérisateur le suivi parfait du tracteur. Des pompes à débit important équipent ce type de matériel et peuvent également être utilisées par des produits très lourds, voire le type argile qui est utilisé à l'heure actuelle. Tous nos pulvérisateurs sont équipés d'un kit environnemental lavage à la parcelle pour donc ne pas être dans l'obligation d'avoir les bacs de rétention dans la cour de la ferme. Pour revenir sur les marchepieds, côté gauche, on retrouve une plateforme qui est réglable en largeur pour un accès plus facile pour l'ouverture des chapeaux pour le garnissage de l'eau. Je dis bien seulement pour le garnissage de l'eau, puisque nos pulvérisateurs sont équipés pour être chargés en produits poudre ou en produits liquides d'un système de canne aspirante. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de manipulation à faire donc à ces produits quand ils sont purs. Et la dissolution dans le réservoir sera parfaite. Tous les éléments de lavage sont tous accessibles depuis le côté gauche pour ne pas avoir à faire le tour du tracteur ou du pulvérisateur. Les jets placés à l'avant du canal d'air sont particulièrement adaptés pour être utilisés également avec les buses antidérives. Et en bas de ces rampes inox alimentant léger, on y retrouve des vannes pour purger complètement les rampes lors du rinçage. Les déflecteurs ont des possibilités de réglage très faciles, aussi bien ceux du bas que les déflecteurs aériens, avec poignée accessible depuis le sol et molette de serrage. Nos pare-filets se placent très facilement sur les colonnes de ces pulvérisateurs biturbines verticaux avec possibilité de réglage à hauteur. Nous sommes dans des vergers plantés à 4,50 m de large et à haute densité végétative. Nous ne sommes pas du tout dans du mur fruitier. Et malgré la charge de pommes, la pulvérisation traverse très bien ces vergers chargés de fruits.